Je vais te montrer dans cette vidéo comment augmenter la mémoire interne d'un téléphone de plus de 100 Go. Si tu as actuellement 32 Go, tu pourras avoir 132 Go facilement. Si tu as 64 Go, tu pourras avoir 164 Go facilement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement installer une application qui va jouer le rôle de carte mémoire. On peut envoyer tout ce qu'on veut sur cette application et cette application va nous donner 100 Go complètement gratuite. Et dans la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment tu pourras avoir même 10 000 Go complètement gratuitement. Si tu aimerais savoir comment augmenter la mémoire interne de ton téléphone, c'est une vidéo à ne pas manquer. Allez, c'est parti. Tu vas installer l'application Dego et tu vas ouvrir l'application Dego. Et ici, tu vas bien sûr te connecter avec Dego. Moi, je vais me connecter avec mon compte Google. Alors, je me suis connecté avec mon compte Google et ici, je peux commencer à envoyer des photos, des vidéos, des documents et même de la musique sur la plateforme. Comme tu peux le voir ici, c'est tout simplement sur téléchargement automatique. Une fois que tu as coché cette case, l'application va télécharger toutes les photos automatiquement, toutes les vidéos automatiquement si tu veux. Et ce qui est cool avec ça, c'est que tout simplement, même si tu supprimes les photos et les vidéos sur ton téléphone, tu pourras continuer à les utiliser sur l'application. Alors si il y a une vidéo spécifique, une photo spécifique, un document spécifique que tu veux envoyer sur la plateforme, tu vas tout simplement aller dans téléchargement manuel. Tu dois cliquer ici sur sélectionner les fichiers, les dossiers à. Alors ici, tous mes nouveaux fichiers, mes vidéos, mes images, tout ça. En cliquant sur les trois petits points, tu peux cliquer sur trier par. Et si tu veux, tu peux trier par nom, par date, plus ancien, de A à Z, de Z à A, tout ça. Mais disons moi-même, que l'image que j'aimerais publier sur la plateforme est ici. Donc je vais uniquement sélectionner l'image ou la vidéo, tout ça. Tu vas sélectionner, tu peux sélectionner plusieurs même et tu vas cliquer ici sur ajouter. Alors, je viens de publier la photo sur la plateforme et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous montrer la photo. Alors, je viens de réouvrir l'application et je suis tombé sur ça. Ce que je dois faire, c'est cliquer sur galerie et ici, tu vas trouver tous tes médias. En cliquant ici sur galerie dans le petit onglet, tu vas trouver la photo que tu as envoyée. Alors, j'ai retiré une photo, mais bien sûr, ici, tu peux voir la photo que j'ai envoyée sur la plateforme. Et ce que tu peux faire, tu peux tout simplement aller sur ton téléphone et tu vas supprimer cette photo sur ton téléphone. Comme ça, bien sûr, tu vas libérer de l'espace tout ça facilement. Alors, en cliquant ici sur optimiser, tu peux voir que tu peux avoir 10 000 gigabytes de stockage. Bien sûr, tu auras 10x plus de photos sur votre téléphone. Il n'y a pas de pub, stockage top secret, téléphone et ordinateur illimité. Tu peux faire ça pour plusieurs téléphones et appareils, le même compte. Téléchargement de vidéos, même envoyer des vidéos facilement. Et en cliquant sur mise à niveau, bien sûr, tu auras Dego Ultimate. Mais les bros, c'est 142 $ US par an. Et honnêtement, je ne vous conseille pas. Bien sûr, vous pouvez créer plusieurs comptes sur l'application. En cliquant sur menu, ici, c'est tout ce qu'il y a en paramètres. Ici, tu peux voir que j'ai utilisé 0% de mes 100 Go donnés gratuitement. En cliquant ici sur paramètres, il y a bien sûr beaucoup de paramètres à mettre en place. Alors, par défaut, ça va être sur seulement en wifi. Tu vas tout simplement le désactiver, comme ça tu pourras publier des photos et des vidéos même en données mobiles seulement lors de la charge désactivée. Ici tu peux verrouiller l'application avec un code PIN, ça c'est si tu veux. Tout simplement ici tu peux gérer les permissions et le plus important, je vous l'ai déjà montré. Alors c'était Jinwood, bye bye.